Salut à tous et bienvenue dans Tone Factory. On se retrouve aujourd'hui dans l'émission avec AMI Effect, la marque française que j'adore, qui nous revient avec une pédale qui a vraiment la grande classe. Ça s'appelle Roughcast. C'est un boost, vous allez voir, un booster qui fait plein de choses, qui est assez gras comme vous l'avez entendu dans le début de l'émission, sur cette intro, mais qui peut faire des choses très très clean aussi, qui est là pour donner vie à un ampli qui serait un petit peu neutre, ce qui n'est pas forcément le cas de l'ampli qui nous accompagne dans cet épisode, le Kelto Bluebird qui est derrière moi, que j'adore. Mais c'est vraiment une pédale qui a un gros caractère, beaucoup de vie, beaucoup d'expression qui se dégage de ce petit engin-là, et justement, on va l'écouter ensemble tout de suite. C'est vraiment une pédale très fine, c'est pour ça que je disais qu'elle avait la classe, c'est vraiment beaucoup d'expression et beaucoup de vie dans la pédale. Il faut savoir contrôler tout ça au potard de la guitare, c'est vraiment mortel, ça améliore vraiment la réponse, on va dire, et le jeu au potard, donc ce que j'adore faire, hein, je fais ça tout le temps, je récupère mon clean au volume de la guitare, j'appuie jamais sur les pédales, que ce soit en live ou en studio, mon clean, même sur les albums de Nico Shona and the Fresh Tones ou autres, vous l'entendez, voilà, comme ça.
Pour faire ça, c'est vraiment mortel, jouer au volume de la guitare et avoir un son vraiment homogène tout le temps. Je vous disais, ça rajoute aussi beaucoup d'expression à l'ampli, je trouve, même si cet ampli est déjà hyper expressif. Ça rajoute beaucoup de vie, beaucoup de dynamique, du relief. Il y a plein de choses qui se passent, on a l'impression de jouer un peu sur un vieil ampli des années 50, parfois quand on pousse beaucoup le boost. Vous allez le voir avec ce deuxième bouton ici qu'on n'a pas encore tourné. En gros, vous avez deux réglages de boost différents. Un boost plutôt droit, celui qu'on vient de voir, avec voilà quelque chose d'assez clair, d'assez défini. Ça vraiment, ça améliore un petit peu, je vous disais aussi, ça la définition de la guitare dans l'ampli. Je trouve, tout en respectant, bien sûr, l'ampli et la guitare. Je reconnais bien mon ampli, ça rajoute juste un petit peu de peps, et c'est vraiment agréable. On peut imaginer ça sur des amplis type Hot Rod Deluxe ou autre, classique, 30 chez Pivet ou autre chose, dans ce type-là d'ampli un peu droit comme ça. On va dire neutre, mais c'est pas forcément péjoratif. Ils peuvent être chauds et très très bien, ces amplis. J'aime bien les Deluxe, etc. Mais voilà, ça rajoute un petit peu ce côté roots qui manque parfois à ces instruments pour s'amuser, pour voilà, avoir la bonne expression sur la guitare. Alors ce que je vous propose, c'est d'entendre maintenant ce deuxième bouton. On va faire à peu près la même chose. Vous allez voir qu'ici, on a quelque chose d'un peu plus sale. Ça compresse un peu. On a quelque chose d'un peu plus gras, un peu plus blues rock. Ce que j'adore faire, c'est mortel. On écoute ça ensemble tout de suite. Facette un peu plus rock'n'roll de cette Roughcast, très réussie, ça compresse un petit peu, j'adore, je joue beaucoup avec ce genre de son, généralement voilà, j'aime bien quand l'ampli s'étouffe un petit peu sur certaines notes, là sur le micro-manche ça l'a carrément fait, c'est super classe, et puis quand on veut récupérer son clair, encore une fois, aucun problème, c'est vraiment vraiment clean et vraiment défini, et c'est assez incroyable parce que j'ai pas parlé de ce petit bouton ici, qui est la tonalité de la pédale, mais je l'ai pas touché depuis le début de cet épisode, et on est au milieu, et franchement, rajouter des aigus là, ce serait beaucoup trop, en enlever, ce serait dommage, c'est parfaitement équilibré et très ouvert. Ça, c'est un truc sur lequel j'insiste. Parfois, des pédales,
sont très bien comme ça, puis quand on les met dans un mix de groupe, il y a un petit problème avec la basse, avec la batterie, les fréquences se mélangent un petit peu, la guitare ne sort pas naturellement du mix, et franchement, avec ce genre de pédale-là, ça le fait. Celle-ci, en tout cas, est très réussie à ce niveau-là, ça respecte bien la gratte, bien l'ampli, encore une fois, peut-être un peu moins qu'avec ce réglage-là, je parle de ce bouton-là qui est un peu plus, voilà, rock'n'roll, un peu plus compressé, mais l'avantage, c'est qu'on peut mixer un petit peu entre ce boost qui va être plus droit et celui-ci qui va être un peu plus sale. On va écouter ça ensemble tout de suite. Avec des doubles bobinages, c'est humbucker sur cette Tokai Les Paul. Si vous avez une Les Paul à la maison avec des doubles, franchement, c'est tout ce qu'il y a de plus standard. C'est vraiment mortel. C'est l'outil ultime pour récupérer le clean, jouer du blues, comme je viens de le faire, blues, blues rock, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait vraiment de la musique très organique, cette pédale. C'est hyper vivant et hyper étonnant, honnêtement. Mortel, hyper réussi de la part de AME Effect, cette Roughcast. Ça me rappelle un petit peu d'autres choses qu'il a fait, notre ami Camille chez AME Effect. Ça me rappelle un petit peu son ampli, le 10 watts qu'on a essayé il y a pas longtemps au niveau du gain. Ça me rappelle également la fuzz, la old school fuzz qu'on avait essayé dans l'émission. Il y a un petit côté comme ça, très organique, très ouvert. Il y a toujours beaucoup d'aigus dans ce qu'il fait. C'est très très clair. Et il a une vraie patte. Voilà. Un vrai truc à lui. C'est important de le dire parce que sinon, bah, tout le monde ferait le même matériel. Il faut vraiment que, voilà, pour moi, les artisans et les grands fabricants aussi se démarquent les uns les autres. Sinon, on aurait tous le même son, hein. Et franchement, à ce niveau-là, AME Effect, c'est vraiment de la bombe. Voilà les amis, on vous a mis toutes les infos sur cette super pédale de boost sous cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine dans Tone Factory. Ciao !